déjà visité la tour inférieure ? J'ai déposé le matériel près de l'autre tour. On dirait que celle-ci est terminée. Exactement. Et c'est grâce à vous. Ça nous donnera l'avantage sur les envahisseurs. Tout est bon à prendre. Vous devriez monter en haut de la tour. Vous aurez une meilleure vue sur notre vallée. Bien le bonjour. J'espère que vous savez vous servir de cet arc. Sûrement par les airs. Jacob a rassemblé nos combattants au haut village pour les préparer à ça. Les enfants et tous ceux qui sont trop vieux pour se battre seront cachés dans les catacombes de l'Acropole. Je les rejoindrai quand tout sera réglé ici. Tu as dit qu'ils étaient lourdement armés. Est-ce qu'on a la moindre chance ? Le vrai combat ne se remportera pas sur le champ de bataille. Ils frapperont fort et vite, et nous subirons des pertes. Ils espèrent nous écraser lors de l'assaut initial, mais nous allons retourner leur empressement contre eux. Ce sera un combat de longue durée. Pour espérer survivre, nous devrons les épuiser doucement, avec stratégie. Nous leur infligerons une centaine de petites entailles et attendrons qu'ils se vident de leur sang. C'est de cette façon que nous triompherons. Pour l'instant, nous allons allumer les feux et prévenir les autres dans la vallée. Aujourd'hui, la survie sera notre victoire. Réunissez autant de munitions et de provisions que possible et cachez-les dans les grottes et les ruines. Quand vous aurez terminé vos préparatifs, rejoignez-le au village. C'est compris ? Oui ! C'est compris ! Bien. Alors allez-y. Que le prophète soit avec vous. Bonjour. Bonjour. Salutations. Je peux faire quelque chose pour toi ? Je sais que tu es occupé. Les Trinitaires ne vont pas tarder. Il y a beaucoup à faire. Mais je voudrais aider. Laisse-moi te montrer que je suis de votre côté. Excuse-moi. L'heure est grave pour nous. Je sens que tu as une fille bien, mais les bonnes intentions ne t'aideront pas à survivre ici. Ces nouvelles têtes de flèches ne sont pas bien taillées. Une flèche mal taillée, c'est mieux que pas de flèches du tout. Je suis pas sûr que ces flèches suffiront à les transpercer. Au moins, on a quelques fusils cette fois. C'est vous qui êtes venu avec Jacob. Bien le bonjour. Jacob vous fait confiance. Ça me suffit. Quoi que vous recherchiez, on en discutera après. Les soviétiques sont partis dans la précipitation, abandonnant plein de choses dans la vallée. Bien le bonjour. L'arrivée des Trinitaires, la souffrance des gens qu'ils blessent. Tout est de ma faute. C'est moi qui les ai menés jusqu'ici. Bon sang, l'histoire se répète encore. Les gens souffrent à cause de moi. Non. Tu ne dois pas le voir comme ça, là. Ou tu finiras dingue. Les Trinitaires auraient fini par trouver cet endroit.
Au moins, j'ai une chance de les arrêter. De trouver la source divine en premier, et d'en faire profiter le monde au lieu d'y semer peine et souffrance. Il faut que je reste concentrée. Je dois continuer. Pour ceux qui sont morts. Pour tous ceux que j'ai perdus. Lara, j'ai besoin de votre aide. Notre peuple est dispersé dans la vallée. Si vous allumez le feu de signal, ils sauront que la menace est imminente. Je m'en occupe. Quand ils verront le feu, ils sauront quoi faire. Une pièce en fer découpée pour faire une sorte de pince. Peut-être pour arracher les clous ? Bien le bonjour. Ressemble à un indicateur. C'est du byzantin. Mais je n'y comprends rien. Thank you.
Très bien. Thank you.
Jacob, des hélicoptères arrivent dans votre direction. Rejoignez-nous le plus vite possible. Rendez-vous immédiatement. Tout le monde derrière les barricades. Vite, vite. Posez vos armes. Vous serez attention. Restez à couvert. Retirez-vous. Restez groupés. Où se trouve la source divine? Allez, parle! Arrêtez! Ne leur faites plus de mal! Où est-ce qu'elle est? Attendez! Attendez! Il y a un plan! L'Atlas! Il vous y mènera! Ok. Dis-moi plus sur cet Atlas. Nous ont repoussés. Croft est avec eux. De nombreux blessés et des cadavres dispersés partout.
Nous aurions dû la tuer. Tu as déjà accompli tant de choses. Mais elle va peut-être réussir là où toi tu échoues. Je n'ai pas encore échoué. Tu veux que les Trinitaires viennent s'en mêler? Tu sais ce que ça veut dire. Que je meure leur est égal. Ils n'ont aucun intérêt à ce que je survive. J'ai besoin du pouvoir de la source. Ne t'inquiète pas. Tu vas la voir. Ne perds pas la foi, Anna. C'est la volonté de Dieu. Notre réussite est inéluctable. Je t'en supplie. Trouve-la vite. J'ai peu de temps devant moi. Je suis allé si loin. J'ai tellement enduré ces ultimes obstacles que vous avez dressés sur ma route. Ces péchés que vous m'avez forcé à commettre, il y a forcément une bonne raison. Vous devez me montrer la voie. Accordez-moi la force de continuer pour elle, pour vous, pour les Trinitaires. Pitié. Montrez-moi la voie. Nous vaincrons par le sang. Désolée. Votre peuple ne mérite pas ça. Nous avons choisi cette voie. C'est notre devoir. Ça n'a jamais été facile. Je sais ce que ça fait de perdre des proches. Les Trinitaires ne s'arrêteront pas. J'en ai bien peur. Ils ont beaucoup de ressources. Et cet atlas? C'est un vieux plan de la cité antique. Les Trinitaires ne le trouveront pas à la tour. Beaucoup des miens sont installés dans ces ruines. Ils ne sont pas préparés à un tel assaut. Je peux les aider, Jacob. Vous voulez le faire pour nous? Ou pour ce que vous recherchez? Pour l'instant, c'est un peu des deux. Je vous rejoindrai avec des renforts, dès que tout sera réglé ici. Dis-moi. On est mal en point, Jacob. Cette attaque nous a dévastés. Nous n'avons plus personne à envoyer à l'Acropole. Je sais. Je m'occupe d'abord de nos blessés. Il faut les emmener dans un endroit sûr. Une fois que ce sera fait, on rassemblera tous ceux qui peuvent encore se battre. Sophia les tiendra à l'écart jusqu'à notre arrivée. J'espère de tout cœur que tu as raison. J'enverrai un éclaireur quand on sera prêt. Ce n'est pas redevenu normal.